La couleur est flashy, qu'est-ce que c'est? C'est très flashy. Salut tout le monde, vous savez quoi, je suis trop content parce que c'était notre anniversaire. Moi c'est le 29 octobre et Karl c'est le 28 et on a décidé de faire un soir de cadeau parce que vous aviez trop aimé quand on a fait ça le Noël dernier. Et là cette année, on a décidé de se mettre 6 catégories. Découverte, collection, fashion, chaussures, vêtements et électronique. Et il a fallu qu'on se fasse des cadeaux vice versa et là c'est le temps de les déballer parce que ça fait plusieurs semaines qu'on prépare ça. Je suis tellement impatient, j'ai hâte, qu'est-ce que tu m'as préparé là. Moi je suis très curieux de savoir si tu as pris quelque chose dont je m'attends. Mais bien sûr, je suis trop gentil. Toi tu viens inspecter si on a bien fait et si on a bien suivi les règles, c'est ça? Je peux vous déjà dire juste emballer les cadeaux, c'était un challenge, ça m'a pris presque 2 heures. Isaac adore emballer les cadeaux, il est vraiment patient pour faire ça. Non, pas trop! Alors dans la catégorie découverte, j'ai mis le plus bel emballage possible. Oh regarde, Pat Patrouille! Je trouve ça vraiment trop mignon. C'est pas fragile. Ah, c'est pas fragile. La question. C'est bien à savoir. Je vais ouvrir les cadeaux comme toujours. Donc c'était quelque chose que moi je connaissais pas, mais qui je pense va beaucoup te plaire. Ah oui? Ouais. Un petit sac. Oh non, je les adore. C'est vrai, tu connais, hein? Je me disais bien que tu connaissais, mais moi je connaissais pas. C'est une marque de vêtements et ils font des trucs hallucinants. Ça vient du Portugal, c'est ça? Oui, ça vient du Portugal et c'est quelque chose que tu vas pas porter durant la journée. Oh, c'est un pyjama. T'as vu comme c'est confortable? Ah oui, c'est comme la chemise que j'ai déjà, mais aussi en pantalon. C'est super léger. Je devrais l'essayer tout de suite, non? Oui, c'est Alors, est-ce que t'es confortable? Regarde. Je suis prêt pour regarder la télé. Soirée Netflix, ça par excellence, là, comme ça, non? Et regardez la couleur. C'est vraiment super beau et très léger. J'adore! Bon, mais je pense que mon premier cadeau est validé. Yes! Déjà, j'ai fait tous les emballages dans le Marvel. Alors, je t'explique. Ça vient d'une compagnie en Allemagne. C'est génial. C'est un truc. Mais tu vas être. Laisse-moi découvrir. Fasciné, je pense. Moi, j'ai testé il y a quelques jours et c'était vraiment bluffant. J'adore quand je sais pas ce que je vais avoir. C'est quoi ce truc? C'est un air up. Je t'explique, c'est une petite bouteille et tu peux mettre des petits cercles au-dessus qui te donnent une saveur. Tu bois de l'eau, mais t'as l'impression... Tu bois des saveurs, c'est hallucinant. Et regardez... Attends, je vais ouvrir, je veux savoir c'est quoi. Alors, je t'ai pris cerise, pomme, fruit de la passion orange et framboise citron. Et c'est quoi? C'est vraiment juste un petit pot que tu mets comme ça sur la paille? Ah oui, exactement. Attends, air up. Donc c'est comme une gourde d'eau, c'est ça? Ouais, cette petite poignée ici, tu peux la changer dans une autre couleur. Ok, donc il faut juste mettre de l'eau du robinet dedans? L'eau filtrée du robinet. Ok, parfait. Attends, je vais aller en mettre. Ouais. Est-ce que tu peux aussi utiliser de l'eau gazeuse? Ah oui. Ah oui? Voilà. Ok, maintenant... Je fais quoi? Là, je mets ça à l'intérieur, la paille? Exactement. Tu peux choisir entre... Tout ça ici, tu veux quoi? Ah, il y en a même d'autres dans la petite boîte? Ouais, ça se peut. C'est un starter kit. Je suis comme... Je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc. Arrache-le! Attends, mais j'essaie! Ah oui, il y a 2 autres saveurs. Coca-Cola! Coca et mandarine tangerine. Ah, mais attends, j'essaie Coca, non? Tu sais quoi, on va prendre Coca, ça c'est clair. Et pour un autre? Citron et framboise. Tu fermes les yeux. Ok. Est-ce que tu sais si je triche ou pas? Mais tu vas pas tricher. T'es un bon garçon. Comme toujours. Dans le gros sac comme ça, il y a plusieurs pods et il y en a 3. Et ça dure combien de temps les petits pods? Il dit 5 litres. 5 litres? Ouais, mais moi je vais l'utiliser vraiment plus longtemps. Je vais placer le pod sur la paille. Et après, tu as 2 possibilités. Si c'est enfoncé, c'est juste l'eau. Si tu les montes un petit peu, tu as la saveur. J'attends impatiemment. Là. Bois. Mais c'est fou! C'est hallucinant. Ça goûte vraiment le citron. C'est le citron, ça, et le truc à la framboise, non? C'est génial! En fait, c'est comme léger, le goût, mais c'est vraiment parfumé. Ah, mais vraiment. Pour les gens qui veulent pas trop boire de boissons gazeuses, ou pas trop de jus, ou pas trop de sucre, c'est parfait. En fait, tu augmentes ta consommation d'eau par jour, c'est trop bien. Change-le. Voilà, tu le tires. Mais attends, je vais essayer de comprendre. Ah, ok, c'est quoi? Il y a un petit trou à l'intérieur. Ouais, et là aussi. Et quand tu le montes, il y a de l'air qui passe. Et là, tu le places, tu l'enfonces. Tu l'enfonces et tu le relèves. Ouais. Ah, trop cool! Coca-Cola.
C'est hallucinant. Ça doit être trop cool à essayer avec de l'eau gazeuse, en fait, parce que ça pourrait vraiment donner la sensation d'un cola. C'est génial. J'adore mon cadeau. Si ça vous intéresse, j'ai mis le petit lien dans le descriptif. C'est vraiment une compagnie que j'adore. C'est ultra intéressant et surtout, si ça te fait chier de boire juste de l'eau, mais ça, c'est vraiment une alternative. Moi, j'ai l'impression que je bois 3 litres par jour depuis quelques jours là. C'est parfait parce qu'en plus, j'aurais commencé à faire du fasting, il faut que je boive beaucoup d'eau, donc c'est trop trop bien. J'ai vraiment hâte d'essayer les autres, ça va. Est-ce que t'es content? Mais très très content. Hey papa, mon air up! C'est à moi! C'est pas grave, moi je l'ai mis en déjà. J'ai bien pêché dans les derniers jours. Hein. Ça c'est vrai parce que j'ai rien vu. T'es prêt à passer à la prochaine catégorie? Yeah, absolument. Alors c'est collection. Voilà. Fais attention parce que ça peut être un petit peu fragile. C'est juste un gros sac en fait. Mais je t'ai dit. Sois très délicat parce que c'est un peu fragile. Tu dois avoir une idée un peu de ce que ça peut être, non? Des boucles d'oreilles que j'ai jamais eu dans ma vie. Non. Oh, mais c'est des pierres. Oui, alors il y a une opale de feu. T'as vu les belles couleurs? C'est vraiment très très beau dans la lumière. Ça, j'adore cette pierre. L'opale de feu, c'est très rare et c'est quelque chose qui de ground. Tu connais mieux les pierres que moi. Ah. Et l'autre, ça s'appelle la moldavite. Non! Tu sais que c'est la pierre la plus puissante dans le monde. Je sais que ça fait longtemps que t'en cherches surtout et moi j'ai cherché ça pendant très longtemps. C'est ultra hype si tu tapes hashtag Moldavite sur TikTok. Mais tu vas trouver des témoignages de ouf. C'est 3 petites pierres et en fait la production de ça arrive quand une astéroïde tombe sur la Terre. C'est un peu comme du verre. C'est très fragile. Mais ils disent que cette pierre là, quand tu travailles avec, ça change ta vie. Ça te met sur le bon alignement, ça écarte tous les mauvais choses. Les mauvais amis et tout ça. C'est un peu atypique comme pierre, mais c'est vraiment magnifique. Waouh! Merci beaucoup, j'ai très hâte de travailler avec ça parce que c'est vraiment, ça ouvre le chakra du cœur, ça te fait plus empathique. Mais ça veut dire que je vais pleurer toute la journée en fait. Alors, je sais que tu aimes les parfums. Oui. J'ai pris un truc chez Frédéric Malle, c'est une parfumerie à Paris qui existe aussi ici. Et j'ai pris un parfum qui va te rappeler 2 trucs. Un truc olfacteur. Olfactif. Olfactif. Et un truc personnel avec ta mère. Avec ma mère? Ouais. Moi, quand j'ai senti ça, c'était comme 7e ciel. Le parfum. Oh! Le parfum de Thérèse, c'est le nom de ma mère en fait, le parfum de Thérèse. Ma mère est décédée quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, mais c'est très beau. Il me fait pleurer là. Mais non. Ah, c'est trop beau. Attends, je vais sentir. Oh, wow. Ça sent magnifique. Ah, ça sent comme un peu sucré, mais aussi un peu floral. Ma mère adorait les fleurs. Ah, c'est génial. Je suis très contente. Je suis émotive, mais c'est vraiment un super beau cadeau, ça. En plus, ça sent trop bon. Waouh, merci beaucoup. C'est Edmond Rutnitska qui a créé ça. Et il a un nez très fin et apparemment aussi grand que le tien. Ah, c'est vraiment cool, ça. Ça, c'est un très très beau cadeau. Merci beaucoup. Est-ce qu'on se le donne en même temps? On pourrait. C'est un grand. Il est énorme, ton cadeau fashion. Moi, je vais faire un petit. On fait soit 3, 2, 1. Oh, baby, chaque. Oh, regarde l'emballage. J'ai l'impression que c'est un anniversaire d'enfant. En fait. C'est un petit peu le thème que j'ai voulu reproduire. Oh, nice! Yeah. J'ai pris un peu chez Scotch and Soda. J'adore le motif, c'est trop cool. Tu vois, c'est imprimé et en même temps, c'est brodé là. Attends, je vais aller l'essayer pendant que tu ouvres le tien. Yeah, parfait. Ne va pas trop loin non, parce non, que... Non. Je veux voir ta réaction. La couleur est flashy, qu'est-ce que c'est? C'est très flashy. Non! Un manteau d'hiver. Et en plus, il est fait avec des bouteilles de plastique recyclées. Oh, ça on adore, c'est génial. Attends, je vais essayer ça aussi. Est-ce que t'aimes la couleur? C'est comme une citrouille! Non, mais moi, je trouvais que ça t'allait bien, cette couleur-là. Il est bon, non? Oui! Trop bien! Comme ça, tout le monde va me voir dans la neige parce que c'est quand même très flashy. On pourra pas te rater, ça c'est clair. On adore les couleurs! Oh ouais! C'est magnifique. Et en plus, l'aspect conscience... écologique. Ah ben c'est génial. On adore. Mais tu sais quoi? Le manteau ressemble un petit peu au manteau qu'il fallait que j'achète pour le Yes Man Challenge. Je sais. Et en fait, tu avais adoré ce manteau, mais tu voulais une couleur différente. C'est pas exactement la même chose, mais c'est plutôt pas mal. Ah mais je trouve ça très beau. Là, je sais que mon prochain cadeau va trop te faire plaisir. Et moi, je pense que mon prochain cadeau est très atypique. Ça, c'est le mien. Ah oui, c'est...
Il veut ouvrir son propre cadeau, pas mal. Oh! Non! Ça, c'est une compagnie que j'ai adorée à Paris. Je le sais. J'ai acheté toutes mes chaussures en solde là-bas. Et où? Oh! Ça fait durer le suspense. 3, 2, 1. Non! Oh, mais c'est trop stylé! J'adore parce qu'il y a vraiment plein de couleurs et c'est très 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 luisant, c'est génial! Wow! Pendant que tu les essaies, je vais les montrer de plus proche à la caméra. Ouhou! Ah, mais c'est parfait, c'est la bonne taille! Ouhouhou! Tu vas être prêt à aller courir dehors! Avec SpongeBob! Ok, maintenant je vais ouvrir ma paire de chaussures! Ce sont des chaussures Nike. Collection spéciale. Oh, génial! Et les autres ne sont pas pareils. Non? Non. Ah! On a été un peu dans la même thématique et c'est toutes les deux des chaussures qui brillent un peu comme ça. Ah, c'est trop nice. Oui, regarde, cette paire-là est trop cool avec le logo à côté. On va le flipper, c'est comme ça. Ici, il y a un petit arc-en-ciel Nike. Yeah. Et de l'autre côté, c'est plutôt vert et orange. C'est trop cool. J'adore. Le seul problème, la vendeuse m'a dit que les tailles ne fonctionnent jamais. Non, c'est bon, c'est la bonne taille. Mais c'est quoi la taille? 46. 46? Habituellement, je porte du 44. La meilleure prise de caméra pour voir les chaussures. Allô? Ils sont trop cool. Stylé un truc. Oh. Mais je suis aussi très content avec ça. Je les aime déjà. Regardez le bordel. Allez, c'est pas grave, on continue. Ok, prochaine catégorie. Écran confortable. Et... mais il me connaît bien, hein. Il sait que j'adore le Monaco. J'adore comment tu me fais les emballages. Hein. Ah oui. C'est un peu violent avec les agrafes. Sinon, tu triches. Oh, tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai. Je triche pas, moi. Je suis certain que toi, quand tu étais petit, tu allais fouiller ah, mais tout. Des cadeaux. On a fait Noël chez mes grands-parents. Et le jour avant, j'ai tout regardé. Moi, j'ai jamais fait ça. Tout. Et j'ai vu ma soeur qui a fait ça. Ma soeur m'a vu. Ma mère a même triché. Mais c'est quoi? C'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Oh, un tie-dye. C'est un ensemble pour faire du sport au tie-dye. Ah, mais ça, c'est cool. J'ai l'impression de m'être transformé en marin, là. En plus, c'est un peu comme de la serviette. Donc, c'est vraiment génial. C'est super cool. Confortable ces trucs, j'adore ça. Et à l'intérieur, c'est tout doux. Et le mien, c'est vraiment un truc tie-dye trop trop cool. C'est quoi? On devrait l'essayer à la fin de la vidéo, comme ça on va pouvoir vous montrer le résultat quand on l'aura essayé. J'ai très très hâte parce que c'est le cadeau le plus gros que j'attends depuis le début. Bien sûr, il l'a gardé pour la fin. C'est hyper lourd! Il y a quelques jours, on a regardé un truc sur l'internet et on était tous les deux très interpellés. Et comme toi, tu aimes faire le ménage. Je sais c'est quoi! Il va acheter une balayeuse, je suis sûr! Mais regardez! Attendez, je vous montre un petit peu. Le nouveau tapis, il fait beaucoup de petites poussières comme ça. Et il y a toujours des petits trucs qui sont partout et ça me tombe sur les nerfs. Et j'ai dit que ça serait génial d'avoir ce truc parce que c'est sans fil. Attends. Mais tu sais, qu'est-ce que c'est? Ben oui, je sais c'est quoi, je suis sûr. Ah oui, là on le voit. Oui. C'est l'aspirateur Dyson. Je suis comme pris, c'est trop gros. C'est quoi cet échange de cadeaux? Il est vraiment... trop beau. Il est comme doré. Tu peux faire un petit test sur ton Instagram plus tard, peut-être. C'est une très bonne idée. Est-ce que t'es content? Très content. Oh, c'est trop cool. Mais anyway, fais la place parce que je veux le mien. Oui. Et j'ai quoi là? Tu vas rire. Oh, j'adore le smart anniversaire. Est-ce qu'on devrait faire un pour Noël? Je sais pas, dites-nous ça en commentaire. Est-ce que vous aimeriez un smart des cadeaux pour Noël? Bon, tu vas voir qu'on est un petit peu dans la même thématique. Tu vas vite comprendre. Il faut savoir que Isaac et moi, on fait souvent notre shopping en même temps parce qu'on est toujours ensemble, on travaille toujours ensemble, donc... C'est compliqué d'acheter des choses séparées. Mais un truc qui est bien, on sait qu'est-ce que l'autre aime, plus ou moins. Bien sûr. Plus ou moins. C'est quoi? C'est quelque chose qui va être utile lorsque tu te prépares. Tu en as de plus en plus de besoins. Non. Est-ce que t'as parlé avec ma soeur? Non! T'as pris la même chose? Non, je crois pas. Ça sert à un sèche-cheveux qui est comme hallucinant. Et j'y ai posé la question si c'était vraiment efficace. Et elle m'a dit que oui, donc... Mais j'ai testé à Berlin, il y a comme un an. Et c'était ouf. J'ai séché mes cheveux avec ça. J'avais l'impression que je dessine derrière là. Et surtout, c'est beaucoup plus rapide apparemment. Moi aussi, j'aimerais ça que tu le testes sur Instagram. Parce qu'apparemment que ça sèche les cheveux super vite. Oh my god, c'est dingue. Oh, il est dans un petit sac. Petite sacoche. Oh, magnifique. Il est beau, non?
Mais vous savez quoi? Dernière chose qui nous reste, c'est aller essayer les vêtements. 1, 2, 3. Alors, est-ce que t'es content? Oui, regarde! C'est très confortable, c'est vrai, c'est un peu large. Mais c'est ça le but du truc, là. J'ai l'impression que je pourrais voler. Et je pense que mon look d'hiver, ça va être ça. C'est parfait. Alors, montre-nous ton look trop confortable. Je suis prêt pour partir à la plage. Ah oui? Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit swap. Moi, je trouve que les anniversaires devraient être plus souvent pendant l'année. Moi, j'ai adoré cette vidéo. Merci beaucoup pour tous les cadeaux. C'est trop gentil. Dites-nous en commentaire quel était le cadeau que j'ai fait à Isaac que vous avez préféré et celui que Isaac m'a fait que vous avez préféré. Tu sais quoi? Quoi? Pour un prochain swap, on pourrait aussi faire une catégorie abonné. Oh, c'est une bonne idée, ça. Ah oui, lâche un gros pouce de like. Nous, on se voit pour le prochain vlog. Et n'oubliez pas, on vous aime et... gros, gros bisous. Oui! Bye! Ciao! Et maintenant, il faut que tu ranges tout le bordel ici. Attends, je vais prendre ma balayeuse.